Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo découverte sur le jeu je sais pas comment on prononce, H-U-E, voilà. Je sais pas comment on prononce. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu indépendant, donc, d'aventure. Un peu platformer aussi, du peu que j'en ai vu. Sorti le 30 août 2016, édité par Curve Digital et développé par Fiddlestick Games. Je crois que sur Steam, il est à 15€, je crois. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description. Et apparemment, le peu que j'en connais, c'est donc un jeu platformer en 2D, voilà, où vous contrôlez un petit personnage. Et tout se jouera, en fait, le gameplay se jouera beaucoup sur les couleurs, les mélanges de couleurs, ou comment... En gros, pour progresser, il faut que ça soit la bonne couleur. Enfin, je pense qu'on va vite comprendre le concept. Ça me rappelle le jeu Ink, que j'avais aussi fait en vidéo découverte, où pareil, il y avait des jeux de couleurs, et j'aime bien ces petits jeux-là, qui demandent un peu de réflexion. C'est un peu des jeux de réflexion, finalement. Donc on va découvrir ça ensemble, je ne connais vraiment rien du jeu pour une fois, une vidéo découverte est vraiment une vidéo découverte quoi, c'est plus de la découverte que de la présentation. Donc voilà, on est lancé ici, donc je joue la manette, ça c'est cool, je peux sauter. Alors déjà c'est un petit style graphique qui est sympa, simpliste mais sympa. J'ai ramassé une enveloppe, Dearest Hugh. Traitorous Dr. Gray tried to steal the animal spectrum. A ring I developed to allow perception and alteration of color. D'accord. Donc, Hugh, c'est notre nom, apparemment. Impossible for Dr. Gray. Anyway. Y a pas du français, attendez, il me semblait y avoir vu. Non, c'est juste les sous-titres. Non, j'ai rien dit. Something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. Nay! It fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks, watching, waiting, existing in this colored plane. I couldn't speak to you, nor interact with anything in the mono world. So I left. I left for the university where I hid away the colored tools I had created. I pray you have found what is left of the ring. D'accord, donc il y a un petit peu d'histoire où... Une personne s'est fait emprisonner dans les ombres. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Pas tout compris, à vrai dire. D'accord, alors qu'est-ce qu'on est supposé faire? Où est-on supposé aller? Salut. The fisherman caught a glimpse of something. Something unusual. Down by the lighthouse, ok. Oh oh! Un morceau de la Triforce. J'ai découvert la couleur bleue, j'ai l'impression. Oh, oh! Bon, et là je meurs, ok. je voulais juste tester un truc. Enfin, tester. Ok, d'accord. Donc tout est en bleu. C'est assez joli, honnêtement. Hein. C'est couleur assez simple, mais. C'est un joli effet, je trouve. Hello! Hugh, is that you? Thank goodness, I've been trapped for days. Help me get out of here. I keep hearing noises. It's creeping me out. D'accord. R. Oh, okay. The rocks. They just disappeared. I don't know how you did it. Who cares? I'm saved. Bah oui, who cares? Thank you. Bah écoute, you're welcome. Alors je sais pas trop, j'ai fait ça un peu au pif, mais en fait, j'ai changé. Alors, je crois que j'ai compris un peu le truc, j'ai changé le fond. Voilà, du niveau, pour qu'il soit tout bleu et que du coup que les rochers disparaissent dans le décor. Là, je suppose que si j'ai la couleur jaune, là, les petites briques, là,
je les ferai disparaître. D'accord. Ok, je pense qu'on va prendre le concept. On va continuer d'explorer. Voilà. Une autre lettre. But if you discard those expectations, don't you think instead the cave will be full of surprises? I ask for you, Hugh, to abandon your expectations, to pull me back from the brink of unreality. I need you to see the world not for what it is, but for what it can be. Alors, il y a un truc que j'ai vu, là, j'ai exploré juste un petit peu pendant qu'on parlait, là. En gros, si je remettais le fond noir, j'avais une plateforme. Alors, si je saute... Ah, zut. Ok, en plus, je peux arrêter le temps. Non, je peux pas... Il me semblait que j'aurais pu ma... Comment je fais pour rester dans le... Non, bon, je sais pas trop. Il me semblait avoir eu une idée de génie, mais non, visiblement non. Eh ben, continuons, continuons. Hop. On est encore dans le tuto, je pense. On n'est pas encore libre de tous nos mouvements. Allez, on y arrive. Fouh. Eh ben. Pas de couleur. Salut, oula, je vais y tomber. Oh, hello there. Yeah, you startled me. Je sais pas ce que ça veut dire, startled. I'm just resting my legs. Don't play too close for the water now. Oui, mais si je passe le truc en bleu, non, toujours pas. Je peux sauter. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. D'accord. Ah, voilà. Donc là, on allait bien les plateformes, et je suppose que si je passe tout en bleu... Voilà. Ok, je comprends. C'est bien d'apprendre de cette manière. All to pull. Ok, sympa. Ah, je suppose qu'ensuite, je vais pouvoir grimper. Hop. Zut. Est-ce qu'il y a un truc à dévoiler avec la lumière? Non. Ouh, oh, c'était chaud. C'était au pixel près. Oula, oups. Oups. Ok. Ok. Ça y est, petit premier puzzle. Donc. D'accord. J'ai été un peu trop vite. Hein. Non. Ah, purée. Je peux pas passer. Merde. Ah, Ah, je crois avoir compris. Je crois. Si je fais... Ça, je me mets sur la caisse. Hey, hey, ça c'est cool. Non, franchement, c'est cool là. Et merde, j'ai foiré mon saut, pardon. On recommence. Ah, purée, ah non, c'est un. Il a des savonnettes à la place des pieds, c'est un Mario-like. Oh misère. Je déteste ça. Franchement, Mario, et merde, je... Bien sûr, j'y ai joué, mais j'aime pas trop, parce que le Mario est super compliqué à prendre en main. Alors, je sais pas, quand j'étais petit, je me souviens plus de comment je pouvais arriver. Enfin, c'était ma soeur plutôt qui... Et merde, qui faisait le jeu pendant que moi, je la regardais faire. Mais j'avais beaucoup de mal... Et aujourd'hui encore, tranquille. Purée, les rares fois où je joue à Mario, je rage. Et là, c'est un petit peu pareil. Ok, on va essayer de se concentrer un peu. Eh, mais c'est dingue, hein. J'arrive pas à calculer mon saut, quoi.
On va y arriver, on va y arriver. Ok. Je vais juste lâcher tous les boutons lorsque j'atterris. Voilà, je saute et je lâche tout. C'est peut-être mieux comme ça. Parce que j'ai peut-être tendance... Ouais, bah ok. À vouloir contrôler mon saut et à garder du coup ma main sur le joystick. Ce qui me fait glisser tout simplement. Ouch. Là j'ai oublié de sauter je crois. Est-ce que si je fais ça je peux sauter tous les cailloux? Oh la caillasse qui s'est pris dans la gueule. Ou alors faut que je prenne de l'élan. Non c'est trop court, merde. Ah bah non, je suis con. Bien sûr il faut que je mette là. Voilà, et que je me serve des cailloux. Voilà. La caillasse que je me suis pris là, juste avant. Bim! Oula! Non. Ok, j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Mis à part la petite savonnette qu'il a à la place des pieds. Hey, hey! Alors, il y a une échelle en haut, je sais pas si on pourrait l'atteindre, ou alors c'est un autre niveau. Je sais pas trop. Ah merde, là c'est digne d'Indiana Jones là. Il faut courir devant la grosse bouboule. Et merde. Je serais vraiment tenté de mettre la musique d'Indiana Jones en fond. Hein. C'est pas mal. J'ai un petit peu de temps pour voir là. C'est quoi ça? C'est une potion magique? Ok, alors en fait j'ai fait tout ça juste pour une potion. J'ai l'impression que c'est plus un item qu'on collecte. Ok. Hop! Eh mais merde! Oh le mauvais! C'est moi encore une fois. Parce que je suis pas à l'aise. D'accord. Et je peux pas esquiver là. Oh, ça fait mal. Ah, le simple fait de marcher sur la boule, ça nous brise les rotules, quoi. Ah ouais, c'est violent, quoi. Et merde. Ah. Vraiment, je m'excuse, mais j'ai l'impression que quand je réatterris que je suis pas bon, du coup, au dernier moment, je fais un petit coup de joystick. Et du coup, bah, ça forme mon saut, c'est très sensible. J'ai encore failli le refaire. Alors, ok. Hop. J'ai bien fait de pas sauter tout à l'heure, hein, et de m'agripper à l'échelle. Ok, d'accord. Allez, on remonte, on va essayer de faire gaffe au petit picot, là. Ouh, c'était Tandax. Allez, il en reste un seul, faut pas que je le foie. Alors, et du coup, est-ce que je peux monter? Oui. Bon, pour l'instant, je m'amuse bien, donc je continue, hein. Même si je pense que j'ai montré quand même une bonne partie du jeu. Oula. J'ai envie de continuer à jouer. Salut. Voilà, essaye. Oh oh, nouvelle couleur. Nouveau morceau de la Triforce du Courage. Pim 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 pim. La couleur mauve, violet. Je sais pas. Je sais qu'il y a un mode pour les personnes qui sont. Là, j'avais vu ça. Attendez. Colorblind. Est-ce que c'est les personnes qui sont. Merde, comment j'ai. Ah, j'ai perdu le mot. Merde, bah qui. Je sais plus. J'ai plus le mot. Bah attendez, ça me l'a pas fait. Ah, je veux juste voir ce que ça change quelque chose en fait. Merde, j'ai perdu le mot. Daltonienne, voilà.
C'est possible. Ah oui, du coup, ça leur fait. D'accord, il y a des items en plus. C'est peut-être pour les personnes qui sont daltoniennes ou qui ont un problème au niveau des couleurs, et du coup, ils ont mis des symboles pour. On va laisser voir si ça. Ça change quelque chose, juste pour voir, je suis curieux de voir. Ah ouais, c'est possible. C'est possible que les personnes qui sont daltoniennes, du coup, vu que les couleurs, ils distinguent pas forcément. Ils ont mis des petits symboles. Et il n'y a plus de porte, d'accord. Pour. Ok, c'est sympa, c'est intelligent. Surtout si c'est un jeu basé sur les couleurs, ça serait con de ne pas faire en profiter un maximum de personnes là-dessus. Ah, donc c'est bien violet. Ah ouais? Ah, ça c'est pas cool. En gros, là, elle a dit. Imagine qu'il y a une couleur au-delà du violet qui est donc sur le, enfin, sur le spectre des couleurs au bord en fait. Et imagine qu'il y a encore une étape juste après, une couleur impossible à voir et à percevoir. Bah, elle est coincée dans cette partie-là. Ça, c'est bien dit. What is real? It is a dream. Our reality. Tintin. Oula. Hop, hop, hop. Allez, je veux de nouvelles énigmes, mais voilà, suffisait de demander. Alors. Merde. Ok, fallait jongler, faut jongler entre les couleurs, mais je me suis un peu trop précipité. Tac. 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 Et tac. Ouais, oui. C'était facile. Alors. Hop. J'ai peur de savoir ce qu'il y a en dessous. Ok, il y a des pics. Mais il y a un petit mur, d'accord. Ok. Merde! J'avais pas vu. Ah ouais, c'est très sensible. Hein. Et merde, du coup, on répare là. Bon. Tac. 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 Et tac. Ok. Mais alors, de là, comment on fait? Comment qu'on va faire? Non, il faut que je fasse comme ça. Il faut que j'arrive à pousser le cube. Là, il faut que je fasse gaffe. Ah mais oui! Si je fais ça. Ah, mais oui! Mais c'est bien sûr. Ah là, c'est fait plaisir, n'empêche. Quand vous trouvez une solution comme ça, c'est assez jouissif. C'est ce qui vous fait accrocher au jeu, vous voyez? Je suis pas game designer ou quoi que ce soit, mais je sais que ça marche. Et que c'est pas forcément anodin de mettre ce genre de truc. Et alors. Mais les petits. Merde, oh le con. Les petits bruits, ça m'aide à perforer mes sauts. À améliorer mes sauts. Sauf que du coup, je me suis fail comme une merde. Ah non, mais oh putain. Pardon. Je suis pas assez concentré. Non, ça rentre tout va bien. Hop. Voilà, là on saute. Voilà. Pas la même erreur deux fois. Et du coup, si je saute. Oh, c'est stylé! En mode Matrix. Yeah! En fait, notre perso, c'est Néo. Je connais le Kung Fu! Alors, là, j'ai un peu peur de ce qui peut y arriver, d'accord. Et du coup, si je saute là. Pion! Oh oui! Ah, ça c'est cool, ça j'aime bien. Ça je kiffe. C'est beaucoup l'éclate, c'est beaucoup le fun. Hop! Merde.
Merde. Oh, c'était limite ça. C'était limite, ça demandait un peu de tact. Tiens, t'en vas là, toi. Oh, mais comment qu'il me snob en mode. Mais. Mais. Et une nouvelle couleur. Pim, 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 pim. Ça y est, j'ai la triforce du courage. Le orange. Oula, c'est très chaleur. C'est très la chaleur. Eh ben, j'aime bien. J'aime même beaucoup bien. J'aime bien les petits puzzles comme ça. Allez, on va bientôt terminer, je pense. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. A page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking, and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. D'accord, d'accord, ok. Du coup, je vais m'arrêter là, je vais voir jusqu'à la fin de la salle. Autrement, moi, j'aime vraiment bien. Je vais continuer de mon côté. C'est pas impossible que je fasse un mini let's play, que je continue de vous montrer, ne pas forcément commenter par-dessus. Voilà, un petit let's play sans commentaire, ça peut être intéressant pour vous, vous immerger dans le jeu. Là, c'est vraiment une bonne découverte. Du coup, je pense que je ferai la... à partir d'ici. Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce concept de couleur. C'est très simple. Je pense que ça a même déjà été fait. Donc, il n'y a rien de grand, vraiment innovant, mais c'est sympa ces petits jeux-là. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste le côté un peu savonnette du personnage qui est un peu. Bon, faut juste le prendre en main. Autrement, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Mais la prochaine fois que je vais jouer, je pense que je vais enregistrer ma partie sans commentaire, quoi. Et vous le proposer en let's play. Alors, si le jeu est court, je vous ferai le truc intégral. Autrement, je ferai quelques vidéos. Quelques vidéos de let's play, en fait, comme mes précédents jeux, par exemple. Et du coup, voilà. Je remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était U-H-U-E. Jeu très sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé. Ça fait deux fois que je me répète, là, n'est-ce pas? Je vous remercie et à très bientôt. Salut!